une petite vidéo parce que j'ai reçu ma première T-Box. J'ai déjà ouvert le carton. La T-Box, il y en a qui la connaissent. C'est une box avec du thé. On reçoit tous les mois, vous voyez, le packaging est très mignon. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Enfin, j'ai ouvert le carton. Voilà. Hop. Box de thé. Moi, je suis branchée à une nourriture en ce moment. Ça se présente comme ça. Vous la commandez tous les mois. Là, tbox.com. Lydia Gauthier. Voilà. Derrière, il y a un petit tuto. Je ne sais pas ce qui est marqué. Culture, histoire et voyage autour de la planète T. Pour cette édition exceptionnelle, la T-Box invite Lydia Gauthier, experte et amoureuse du thé, à nous faire découvrir les rituels du thé en passant par la Chine, l'Inde, le Japon, la Russie, le Maroc et l'Angleterre. Évocation poétique et transmission passionnante, chaque escale nous introduit à une nouvelle manière d'aimer le thé. Sur la route du thé, on retrouve les explorateurs, les hommes et les femmes qui cultivent le thé et tous ceux qui le boivent, selon des coutumes forgées par le temps, des modes de vie et des goûts du moment. Lydia Gauthier, arpenteuse du monde et créatrice de saveurs, lève le voile sur ces grandes traditions et ces petits détails qui font le rituel du thé. Ouvrons grand les oreilles, aiguisons nos papilles, le beau récit va commencer. Voilà, je vais l'ouvrir avec un beau petit cordon. Voilà, oh là là. Voilà, il y a un peu. Ça se présente. Je vais essayer de ne pas faire tout valser, hein, parce que ça va être comme ça. Il y a des petits bonbons, des petits machins. Attendez. Pas si vous voyez. Donc là, j'ai ramassé un truc pour pas que ça tombe. Ça. Oui, mon petit chat. Alors, je vais commencer. Je vais dire des cartes postales. Des horis. Alors, on dirait que c'est bonne dégustation dans toutes les langues. C'est une petite carte postale, ouais. On, pas toutes les langues. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, ouais. Voilà. J'ai la salutation au soleil levant. Une petite carte postale aussi. Et j'ai une autre petite carte postale. Style japonais ou chinois. Vous voyez, petit dessin. Voilà. Là, je mets de côté. Je regarde le chat qui est toujours autour de moi. Voilà. Alors, après, il y a. Voilà, la verre est mieux comme ça. Ça se présente. Comme ça. Là, j'essaye de ne pas faire valser. Vous voyez, c'est très joli. Et voilà, mais il n'y a qu'un truc qui est tombé, c'est pas grave, c'est ma spécialité. Alors, il y a le cahier des saveurs, qui est un petit livre, je présume. Oui, mon chat, c'est depuis ce matin, c'est ça. Le rituel du thé, bon, je vous montre rapidement comme ça, il est assez épais. Hein. Il y a Gauthier, la Chine berceau du thé. Voilà. Puer. Aux chrysanthèmes, histoire du thé. C'est vraiment un petit livre hein, avec du. En Russie. Voilà, en Russie du samovar par Lydia Gauthier. Tita et Malarus. Chai, chai, chai. Classic Chai. Surya Namaskara. Avec la petite carte postale là qu'on a eu tout à l'heure. Histoire du thé au Maroc. Hein. Alors là, vous voyez, il y a de quoi bouquiner. Hein. Thé vert El Malik, recette du thé à la menthe. Ah. Le rituel du thé au Japon. Chen Matcha avec Matcha. Je vous dis, hein, il y en a. 100 000 et un secrets sur le thé de Lydia Gauthier, ça va être son bouquin. Mon fille, tradition british, un peu d'histoire.
Yorkshire Time. Là, l'art de l'herboriste français. La tisane des alpages, les nougats de Montélimar. C'est assez tous les produits qu'il doit y avoir. Thé et gastronomie, un classique français réinventé avec du thé par Lié Gauthier. Voilà. Thé en musique. Pas trop bouquin, moi. Je trouve qu'il y a un gros bouquin. Un petit time avec... Oui, mon chat qui veut remonter dans la boîte à thé. C'est bien, ça. Bonne infusion. Voilà, c'est le mot de la fin. Désolé, ça a pris un petit peu de temps. Allez, hop, on commence. Alors, j'ai tisane des alpages. Un mélange savoureux et vivifiant de plantes de nos montagnes telles que l'angélique, la jeune mièvre, le cerf polé, la gentiane, le pin sylvestre pour un regain de tonus. C'est agriculture bio. Voilà, je vous montre, excusez-moi. C'est une tisane en vrac, en petit sachet. Voilà. Avec ça, j'ai trois petits nougats montés du lard. Ça me donne pas un calé, voir. Voilà. J'ai des bûchettes yuzu. Ça se présente comme ça. Oui, mon chat. Alors, je sais pas, c'est à base de quoi, ça. Ingrédients, pulpe de fruits, pommes, jus de yuzu, sucre, sirop de glucose, de blé, arôme naturel, gélifiant, pectine, acidifiant, jus de citron. C'est de Colmar. Oui, mon chat. Oui, depuis ce matin, c'est ça. Voilà. J'ai un petit sachet de tamayura, du thé vert japonais. Voilà. J'ai un classique chai biologiste. C'est infusion ayurvédique d'épices. Voilà. Dans un petit carton comme ça. Avec. Il y a la recette derrière. Enfin, comment l'infuser. Comme ça. Voilà. J'ai. Purée au chrysanthème, du chai du chin, voilà. Et on voit que c'est en vrac derrière, on voit le thé en vrac, c'est de le voir, voilà. J'ai avec ça, j'ai traditionnel Scottish shortbread, original Big Two Bites. Moi, mon anglais, c'est deux petits gâteaux, deux petits biscuits. Ça. Avec ça, pour l'accompagner, je prends la masse. J'ai deux sachets de Yorkshire Gold. Let's have a proper view. Voilà. Les deux, comme ça. C'est rangé par petite case. J'ai Earl Grey Taylor. Voilà, j'en ai deux. Ah, ok. Et derrière, il y a marqué comment l'utiliser. Et un dernier petit compartiment qui avait aussi accompagné de pignons de pain. Voilà. Un petit sachet de pignon de pain. Voilà. Et avec, c'est spécial Kent Powder Super Extra Thé Vert de Chine. Voilà, dans un grand sachet, comme vous voyez. Et pas en vrac, ça a été un sachet. Voilà, en tout cas, c'est super bien présenté. Je remets, c'est rangé par... catégorie et comment les déguster, et avec un petit bonbon, une petite sucrerie, un petit gâteau pour les accompagner. Voilà, j'essaie de vous montrer l'intérieur de la boîte sans tout faire valser. C'est très joli avec un imprimé et que ça peut resservir. Voilà, et vous le fermez comme ça. Voilà, je vous mettrai le lien de la T-Box, hein, de manière à qui la connaissent.
une boîte à goûter que vous commandez tous les mois. Et je vous mettrai le prix de l'île. Allez, bisous, à plus.